Avec Williams, le centre du jeune Gallois, la reprise d'Origi, la reprise d'Origi, la reprise d'Origi. Salut les abonnés, c'est Kylianox. Voilà, on se retrouve tranquillement pour la petite suite avec la carrière Liverpool, comme d'habitude. Voilà, Tottenham-Liverpool et Dortmund contre Barcelone. Donc on va faire un tour vers le classement. Voilà, donc commençons par la première ligue, hein. Leader City, le dauphin de City est bien Manchester United, hein. Tottenham, Arsenal, Chelsea, et on est 8e. En Bundesliga, on va voir le Bayern qui est premier avec un point d'avance sur le Borussia Dortmund. Ça se bagarre pour le championnat de Bundesliga en Allemagne. Avec 0-4, on va faire un tour vers la Liga avec les leaders. Le Real Madrid qui a 3 points d'avance, hein, sur le FC Barcelone. Séville qui est 5e. Voilà, Atlético Madrid qui est 4e. En Ligue 1, on va voir Paris qui est invaincu. 34 matchs, 34 victoires. Leader avec 102 points. Marseille 4e. Lyon 2e. Monaco 3e. Saint-Etienne 6e. 5e Lille. Rennes et Bordeaux 7 et 8e. En Serie A, on va avoir la Juve, leader, invaincu, 34 matchs, 31 victoires et 3 matchs nuls. Derrière, l'Inter, Naples, Lazio, Milan, Rome, Atalanta 7e. Ça m'étonne pas, on va faire un tour vers la conférence de presse. Voilà, faut que les joueurs soient en forme devant son public et faire tout. Non, c'est au match retour ça. Bah, allez, on va au Wembley Stadium, hein, pour aller défier Tottenham. Allez, Tottenham-Liverpool, les amis, on est parti. Ce match avec l'entrée des 22 acteurs de cette demi-finale. Voilà. C'est le dernier match à l'extérieur dans tous les cas. Enfin non, l'avant-dernier parce que la finale va être déplacée dans un lieu neutre à part. Attention à Eric Kane, 7 buts lors des 3 derniers matchs. C'est énorme. Il n'y aura pas de plan anti-Kane, mais on va essayer. Allez, on fait trembler les filets, on va essayer. Trembler les drapeaux en tribune. Les supporters sont bien présents. La musique est présente. Dele Alli qui se concentre. Allez, on va faire un petit tour vers la composition de l'équipe de Tottenham. Avec bien sûr le champion du monde, Hugo Lloris, dans les buts. Alors, cette équipe, comment est-elle remaniée? Avec un 2-3-1 habituel, avec Bergwijn à droite, Cessegnon à gauche, tout devant bien sûr. Hein. Kane est en meneur de jeu juste derrière. Dele Alli pour épauler Harry Kane devant. À côté du Liverpool, le trio infernal, Mané, Firmino, Salah, avec le retour titulaire de Moussa Sissoko. Allez, Tottenham Liverpool, on est parti, hein, demi-finale match aller. Hein. Allez, Sadio Mané qui essaye de s'amuser avec Foch. Le centre, la reprise de Mohamed Salah. Juste à côté des cages du Goloris. Voilà la première occasion des Reds dans ce match. Allez, Fernandez, la frappe. Oh la lucarne, elle passe pas loin. Goloris qui tremble et Alisson à son tour. Mané qui va enrouler de son pied droit dans la lucarne. Magnifico. Sadio Mané. Quel but. Goloris ne peut rien. On va revoir ça. Sissoko qui fait lancer, alerter plutôt Sadio Mané. Ensuite qui va dribbler, se mettre sur son pied droit. Et derrière c'est absolument magnifique. Regardez-moi ça, le ballon qui tourne. Il tourne pour aller loger la lucarne. Lloris ne peut absolument rien. 1-0 pour Liverpool. 38e minute de jeu et 8e but de cette Ligue des Champions pour Mané. Allez, le bon décalage pour Harry Kane. Aïe aïe aïe, est entré juste avant la mi-temps. Harry Kane qui va égaliser. Harry Kane est sur une autre dimension. Voilà. Il est sur les 4 derniers matchs. Il a 8 buts lors des 4 derniers matchs. C'est impressionnant. Allez, et le moment pour Harry Kane. Son deux balles de but 1. Harry Kane face à Alisson. Quelle parade d'Alisson. Alisson qui sauve les siens. Et Kane qui peut s'en vouloir. Allez, bien juste. Bien joué Firmino. De lucarne. Un pour Mané, un pour Firmino. 2-1 pour Liverpool. Rien n'est joué. On reste concentré. Hein. Parce que Kane, il peut surgir. Parce qu'il est infernal. Et quand on parle du loup, Harry Kane qui est là. Toujours. Encore un duel. Remporté pour Harry Kane. De partout. Doublé. Et si je ne me trompe pas, il est dans. Il a 9 buts lors des 4 derniers matchs. C'est impressionnant. Il est sur notre planète. Et c'est terminé. Un beau match de partout entre Tottenham et Liverpool.
Voilà, deux buts à l'extérieur. Voilà, petit collet de main entre Kélian Ox et José Mourinho. Un match de haut niveau. Bon, l'homme du match, hein, c'est Harry Kane, hein, on va pas se le cacher. Ouais, le nul est mérité parce que on aurait même pu le perdre, hein, si Harry Kane aurait continué. Et dans l'autre demi-finale, Barcelone Dortmund, un partout. Donc deux matchs nuls dans les deux matchs. D'accord. Alors Arsenal-Liverpool, on est parti. Hein. Un très grand match qui nous attend. Le centre, la tête. Oh, sur le poteau de Son. Et derrière, ça va être dégagé. Ah, il est en train de se bagarrer. Hein. Au fait Chamberlain, le centre. Reprise du capitaine. 1-0 pour Janvier. Hiddleston. Allez, Son qui est là. Le centre de Son en retrait. Le petit plat du pied de sécurité pour Oxlade Chamberlain. 2-0 pour Liverpool. Liverpool qui s'amuse, hein, pour l'instant. Allez, peut-être pas fini. Son qui... Ouh, voilà, le costaud, la précision et le golasso qui est là pour Son. 3-0. 12e but pour lui. Et voilà. Voilà. Donc, l'homme du match qui est bien sûr Oxlade Chamberlain, auteur d'un but et d'une passe décisive. On est tourné vers notre prochain match. On grimpe des points et on va grimper quelques places. On va essayer. Si nos joueurs ne font pas preuve de suffisance, on va être puni. C'est exactement ça. Alors, Liverpool Tottenham, on est là. Fais attention à Harry Kane. Hein. Allez, Dele Alli, il est tout seul. On est vite puni. Dès d'entrée de match, Dele Alli qui nous punit. Il est seul, seul complètement. Ça, c'est le but de la qualification en finale. Oh là là. Il me semble qu'Alisson, il peut... Hop, on voit Gomez qui est complètement à la rue ou derrière Alisson qui aurait pu l'arrêter. Mais non, c'est très très bien cadré la part de Dele Alli avec Vinks. Parade d'Alisson Becker. Peut-être pas fini avec Dele Alli. Sur la barre. Ouh là là, on tient Mané. Allez Mané. Oh, c'est sur la barre. C'est pas possible. Encore une fois, on va toucher les montants. J'y crois pas qu'on... Voilà, le match qui est lancé, Tottenham c'est qui poursuit son aventure, qui est en finale, qui va éliminer Kélian Ox. Donc à ce rythme-là, on remplit pas les objectifs en Première Ligue, ni en Ligue des Champions. Je crois bien qu'à la fin de la saison, je vais être viré, tout simplement. Un petit choc, Tottenham-Dortmund en finale, inédit bien sûr. On a fait un bon parcours, donc je peux pas trop en vouloir à mes joueurs, même si c'est dommage. Bon, ciao tout le monde, on va se quitter là-dessus. À la semaine prochaine, allez, ki, siou, je vous kiffe.